Bonjour, bonsoir, ça dépend de qui l'a regardé cette vidéo ça. Nous voulons partager la parole de Dieu avec aujourd'hui. Et texte que nous voulons lire pour vous, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Actes des Apôtres, 1er, verset 8. On nous lit texte ça ensemble. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Texte, c'est parole que Jésus lui-même lui était dit avec disciples avant même que il était quitté la terre. Donc, pendant le parcours Jésus-Christ sur la terre, apôtre était toujours ensemble avec lui, toujours accompagné lui dans le parcours ministériel lui. Donc après que Jésus lui-même, Jean ça t'a dit de lui t'a dû mourir, lui t'a dû ressusciter pour le monter dans le ciel. Donc Jésus-Christ après résurrection, donc les chita avec disciples pour le faire connaître que lui gagne pour y aller, lui gagne pour le quitter yo. Il gagne pour le quitter yo. Mais par contre, il t'a demandé à disciples mais qui ça que vous devez faire? L'étape dit à disciples ça que vous devez faire après que lui-même les fin aller. Il te dit, nous ne pas devoir écarter chambre haute là, lieu de prière là. Je dis à moi, je voulais attirer attention sur la puissance du Saint-Esprit, sur l'onction du Saint-Esprit, sur la puissance de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, Christ dit, vous recevrez une puissance. Certes, moi-même, moi, pour moi aller, je retourne à jeune papa, mais vous recevrez une puissance. Je tiens à moi, je voulais attirer attention sur cette puissance. Et moi, je crois que c'est puissance ça que l'Église besoin, je dis, a. C'est puissance ça que moi-même, moi besoin plus chaque jour dans la vie. C'est puissance ça que vous-même, vous besoin plus chaque jour dans la vie. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, moi, je veux attirer attention que c'est pas parce que dit que peut recevoir le Saint-Esprit. Parce que les Jésus-Christ ressuscité, les disciples, je viens dans le chambre, ils soufflaient sur eux, ils disent recevoir le Saint-Esprit. Mais par contre, ici, Christ fait allusion à la puissance du Saint-Esprit. Il y a ce qu'on appelle le sceau du Saint-Esprit et il y a ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit, c'est ça peut-être l'apôtre Paul a pu expliquer dans Éphésiens chapitre 1er, je crois le 13e verset, quand il a expliqué que leur accepter Jésus-Christ comme sauveur et même tout, l'immaqueo, avec son Saint-Esprit, pour faire connaître que ou appartenir désormais à Dieu. C'est même Jean Yomoun, leur gagnon, yon bagay qui appartenir à lui-même, il est capable de mettre signature, il est capable de mettre sol sous bagay, ça, pour faire connaître que c'est bien pâle que lié. Et c'est de même leur nous accepter Christ comme notre sauveur et comme notre Seigneur. Parce qu'il y a une différence entre Christ notre Sauveur et Christ notre Seigneur. Christ notre Sauveur, c'est Christ qui nous sauve, qui nous rachète. Mais Christ notre Seigneur, c'est Christ qui domine sur notre vie. C'est Christ qui règne de manière quotidienne sur notre vie. Ok? Bref, donc, sans cet esprit-là, c'est leur accepter Christ, bon Dieu marqué pour faire connaître que ou appartenir à lui-même. Donc ça, c'est de manière automatique que m'accepter Christ, m'en recevoir sur ça. Mais cette puissance que Jésus-Christ a parlé dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, donc, l'immander avec disciples pour ne pas éloigner, pour ne pas quitter chambre haute là, lieu de prière là, lieu de consécration, lieu de jeûne, lieu de méditation, pour ne pas écarter, pour ne pas quitter lieu ça. Donc, si que me recevoir le sceau du Saint-Esprit, en acceptant Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur, mais pour recevoir la puissance de cet esprit, pour recevoir l'autorité qu'il a caillé mon Dieu, puissance qu'il a caillé mon Dieu, pouvoir qu'il a caillé mon Dieu, il y a des choses que j'ai besoin de faire.
moi besoin arrêter dans la prière, moi besoin arrêter dans le jeûne, moi besoin arrêter dans la méditation de la parole de Dieu, moi besoin arrêter dans la consécration. C'est sûr et certain, chaque monde qui regarde là, nous ou soif pour puissant, ou soif pour recevoir cette puissance que mon Dieu lui-même lui baille, cette puissance que Jésus-Christ lui était déjà promet que disciples y ont pu recevoir. Et très certainement, disciples en demeurant dans la chambre haute, ils ont recevoir cette puissance. Et la puissance, ça te descend sur yo, ou capable de songer que côté, ils t'a parlé en d'autres langues. Et apôtre Pierre, qui était un pêcheur poisson, a délivré un message côté que 3000 âmes a venu à la repentance. Donc, au cap comprendre que la puissance ça descend sur vous, le pouvoir ça descend sur vous, des bagages extraordinaires cap capable fait dans la vie. Dans le temps ça n'a vivre là, dans la saison ça n'a vivre là. Nous avons besoin de cette puissance. L'Église a besoin de cette puissance. Jeunes garçons, nous avons besoin de puissance ça. Jeunes filles, nous avons besoin de puissance ça. Dames, nous avons besoin de puissance ça. Monsieur, nous avons besoin de puissance ça. Pour capable avancer dans la saison ça. Pour avancer dans le siècle ça que nous vivons là. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, l'Église n'est pas capable de camper. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de faire face avec les forces ténébreuses qui ont agi dans ce siècle-là. Nous ne sommes pas capables de faire face avec eux. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut réaliser que l'important pour nous chercher la puissance de Dieu? Peut-être qu'un peu de monde qui t'a envie puissant, il a fait d'autres chemins pour chercher puissance. M'a dit que la vraie puissance, la puissance réelle, lui, c'est la caille bon Dieu que lui est. Et pas de l'autre côté, on est capable de jouer une puissance ça, sinon que dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans la parole de Dieu. Seigneur, nous disons merci. Merci pour grâce. Merci pour parole aujourd'hui. Je dis à vous, attirez attention nous sous puissance cet esprit. Ou attire attention nous pour montrer nous que c'est une nécessité pour nous chercher la puissance du Saint-Esprit. L'important pour nous consacrer temps, pour nous mettre à part, pour nous chercher présence au Seigneur, pour nous recevoir puissance ça. Et la puissance ça va descendre dans la vie nous. La vie nous va transformer. La vie nous va suspendre une vie ordinaire, mais vie nous va une vie extraordinaire. Père, chaque monde qui t'a regardé cette vidéo ça, aidez-nous chaque capable de gagner soif pour chercher cette puissance. Parce que puissance ça est disponible. Nous seulement doués, prends la ferme décision pour nous chercher puissance ça. Et nous va recevoir lui. Et nous va recevoir lui de manière extraordinaire. Va produire dans la vie nous, va produire dans l'entourage nous, et va produire dans le monde ça. C'est prier nous devant. Au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu béni, nous t'es vraiment content aujourd'hui, nous t'es capable de partager morceau la parole ça ensemble avec vous. Donc, nous avons encouragé aussi pour vous abonner avec la chaîne YouTube ça. Fais ça pour que vous capable toujours joindre toutes dernières vidéos que nous partageons avec vous. Et comme ça, nous va arrêter bénis ensemble à la gloire de Dieu. À très bientôt. Ciao.